C'est dingue, écoute ça. Si vous gagnez notre super concours, vous avez le choix entre 90 000 dollars ou 90 000 donuts. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? La direction ne répond plus. Tout a commencé par une simple panne. Oh non, c'est pas vrai. Ça va? Rien de grave? Non, mais on est en panne. Je vais vous emmener chez Bells. C'est un petit relais routier, 10 bornes d'ici. Il y a une cabine téléphonique. Vous appelez une dépanneuse et ils viendront vous remorquer. Excusez-moi, je devais retrouver ma femme ici. Elle est brune, environ 1m65. Ça me dit rien. Rangez-vous! Écoutez, je cherche ma femme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est la première fois de ma vie que je vous vois. C'était lui. C'était ce camion. J'ai fouillé son camion. Aucune trace de lutte. Il y a plus de 100 000 personnes qui disparaissent chaque année dans ce pays. Elles se volatilisent sans laisser de traces. Ma femme ne m'a pas quitté. C'est vous, monsieur, qui cherchez votre femme? J'ai vu ce qui s'est passé. On va t'avoir à l'œil. Quand est-ce que je verrai ma femme? Bientôt, Jeff, commence à marcher. À plat ventre! La police aussi est dans le coup. Qu'est-ce que vous voulez? Kurt Russell. J'espère pour toi qu'elle est vivante. Breakdown. Point de rupture. Où est-elle? De la saveur. Du striptease, toi. Si son cap, on est cap. Les filets de chichette à porter votre microscope. Chers amis, on est en orbite. On est lancé. En quoi ils sont meilleurs? Les nôtres, ils font le grand jeu. The Full Monty en vidéo. Personne n'avait dit que je devais déballer tout le paquet. La comédie qui montre tout. Oui. The Full Monty, la vidéo qui ne cache rien. Mandalay Entertainment is proud to present the epic true story of the 7 years that changed a man and his journey into the heart of a nation. From acclaimed director Jean-Jacques Annaud, Brad Pitt, 7 years in Tibet.
je voudrais un paquet de chewing-gum à la chlorophylle, sans filtre, sans sucre. 7,90, c'est là. Suivant. 2 mars, un bouti et une boîte d'allumettes. Le 2, tic-tac. 28,60. Un jour. Bien, c'est sûr. Moi, belle forme. Je suis métamorphosé. Mais alors, j'ai été transformé, c'est... La volonté. T'as repris? Non, non. Et toi? Oh, non, non. J'arrive pas. Deux jours. C'est moi qui parle. Allez, au tableau, au hasard. Armstrong, Gram, piqué, collé, Gram. Kamel. Non. Pas Kamel. Mouloud. One et two et prier fort et on fait encore un effort. Et 4 et 5 et 6 et 7 et on écrase la cigarette. Tu es un fumeur de bavarde. Sans elle, tu es malheureux. Oh, excusez-moi, vous avez du feu, s'il vous plaît. Bonjour. J'ai rien touché, j'ai rien fait. Je voulais juste un petit pipi. Mon mari n'est qu'une lopette. Enfin, ma pépuce, mon minou. Oui, mon minou. Y'a plus de minou, y'a plus de pépuce. Refume et ne nous fais pas chier. Quoi? Répète ce que tu viens de dire. Refume et ne nous fais plus chier. Quoi? Y'a quelqu'un? Vous avez fait un régime dissocié? C'est-à-dire qu'à une époque, on a mangé que des pizzas. Mais alors, ça marche pas du tout. Enfin, c'est pas efficace. Quand je le vois émerger des ténèbres comme un vaisseau fantôme, je suis toujours aussi émerveillé. Regardez ce dessin que nous avons retrouvé aujourd'hui. Un bout de papier qui a passé 85 ans au fond de la mer. Ça par exemple. Je vous écoute attentivement. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est la femme qui est représentée sur ce dessin? Oh, oui, bien entendu. Cette femme dont vous parlez, c'est moi. Le roi Louis XVI possédait une pierre, le diamant bleu de la couronne. Aujourd'hui, il aurait plus de valeur que le célèbre diamant Hope. Si votre grand-mère est bien celle qu'elle prétend être, elle portait cette pierre lorsque le bateau a sombré. Êtes-vous prête à retourner sur le Titanic? Je suis donné un mal fou pour nous obtenir des places à bord du plus grand navire de tous les temps, et on dirait que vous montez à l'échafaud. Oublie-la, Boyo, tu ne les approcheras jamais, elle et ses semblables. Je suis le roi du monde! J'ai du mal à te comprendre. Orkney est un très beau parti. Nous serons à l'abri du besoin. N'approchez plus! Sinon, je saute! Je crois pas. Pourquoi ne suis-je pas comme vous, Jack? Libre de partir à l'aventure lorsque cela me chante. Je dois avoir 10 dollars en poche. Je ne peux pas vous offrir grand-chose. Je n'ai pas d'illusion. Je vole! Comment avez-vous pu vous croire autorisé à toucher à ma fiancée? Thank you.